Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, je vais faire de la patouille. J'ai des tags à faire et ça, j'en aurais peut-être pas assez. Donc là, j'ai pris du papier. Alors, je vais vous montrer. Voilà, c'est du papier 300 grammes. Water Art. Voilà. 300 grammes à 4. Spécial pour la patouille. J'ai pris des papillons. Je vais mettre des papillons partout. Alors, je me suis pris des pots de modelier crème à modeler. Voilà. Modelier de Viva Décor. J'ai pris des dégradés d'ocre et de gris. Voilà. Donc, je vais commencer avec celle-là. Et j'ai pris mes spatules autres que celle-là. Dans une boîte, moi j'ai des spatules de toutes sortes, avec différents modèles, différentes découpes. Et je les tiens ici. Et là, je vais me servir de celle-là. Allons donc, j'ai un grand fil là. C'est pas mes cheveux, ils sont pas si longs que ça. Celui-là, je vais l'enlever. Je vais lui les mettre dans l'autre sens, dans le fond, comme ça. Là, j'ai pas été jusqu'en haut. On verra après. Là, je vais en mettre qu'en bas, finir ce que j'ai sur ma spatule et prendre une autre couleur. Si ça bouge, ça va pas le faire. Je l'enlève. Je vais en remettre là. Ah oui, ça a abîmé cela. Alors, si je mets par-dessus, ça va les abîmer. Je vais les mettre comme ça. Oh Barbe, je fais des cochonnades. Et ça n'a aucune importance parce que pour finir ce que je vais faire, c'est pas grave.
tu veux pas y aller là? Si. Bon, ma plaque est presque prête. Là, je vais enlever tout ça. Et aller laver tout ça. Je coupe et je reviens. Oups, j'ai oublié de vous filmer. J'ai commencé quelque chose et j'ai oublié de mettre en route ma caméra. Mes petits papillons sont secs. Ce que j'ai fait, j'ai mis ce que vous appelez les bochots. C'est des poudres. C'est des poudres teintées que quand on met de l'eau, elles font des dessins. Voilà. Alors, moi, je vais mettre mes poudres. Alors, j'ai commencé par la rouge et la bleue. Et je vais vous montrer ce que je vais faire. Je ne mélange pas mes bouchons. Celle-là, elle est verte en principe. Et avec le. Alors, je sais pas si elle fait vert. Oui, c'est un vert jaune un peu. C'est très. Voilà. Alors moi je prends un mouchoir en papier et je tamponne. Alors là je l'ai fait avec le bleu. Vous allez voir. Alors le bleu domine, hein. Mais j'aime bien faire comme ça. Là, il y en a eu beaucoup. Je vais en éponger un peu parce que ça fait beaucoup. Le bleu est très fort en pigment. Il y a encore un vent dehors, pas possible. Mais enfin bon, c'est supportable, hein. Je vais recommencer avec le rouge. Mais je vais laisser comme ça. Moi, ça me convient. Je vais le laisser comme ça. Le laisser sécher. Je vais essuyer partout parce que ça giclait partout, c'est pas le bon bouchon. Voilà. Ça giclait partout, j'en ai dans tous les sens. Je vais laisser sécher ça et quand ce sera sec, je reviendrai vers vous parce que je vais vous faire voir ce que je vais faire avec pour faire mes tags. Voilà. Bon, je vais refaire une pause. À tout à l'heure. À tout de suite pour vous. Bon, alors maintenant, je vais découper mes deux tags. Alors, ma règle. Ah, elle est là. Ah, mais c'est la grande. La petite, elle est où? Je sais pas. Je vais les faire, je vais les mettre à l'envers. Moi, je vais en faire trois. Bon, c'est impeccable. Je vais les faire de 10 cm chacun. 10, 20, l'autre fera 30 à peu près.
couper là. Couper là. Comme ça, il n'y a pas de perte. Mes ciseaux, ils sont là. Hop, 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 hop. Enrubanné dans les fils électriques. Je vais mesurer 2 cm de chaque côté. Oui, celui-là, il est plus petit, c'est normal. Puis alors, je sais pas, ce crayon, c'est un crayon gras. Hein. Pareil ici. Pété. Pénible. Voilà. Et je vais couper comme ça. J'ai mis 2. Est-ce que j'ai bien fait? Parce qu'ils sont hauts. Peu importe, ça permettra de mieux le garnir. J'aurais pu mettre plus, mais ça fait rien. Ça ira. Je vais prendre la crocodile pour faire le trou. Allez, où est mon crocodile? Hop! Vous savez que moi, c'est le gros machin que j'ai. Ah, j'ai l'impression que ma table est un peu près des meubles. Voilà, voilà la bête. Et je vais faire le trou à peu près au milieu. Alors moi, vous savez, je mesure rien du tout. Je fais tout à l'œil. J'ai décidé que le trou, il serait là. Alors voilà. Le trou est fait. Est-ce que je mets un œillet? Je n'en vois pas l'intérêt. Je vais faire mieux. Oui, je me gratte, je devrais pas me gratter. Mais oui, mais comme ça démange, hein. Voilà, voilà. Bon. Je sais pas quoi faire là maintenant. Je suis en panne, donc je vais y mettre mes fleurs dessus. Alors je voulais y mettre un petit peu des fleurs que j'ai fait avec la plastifieuse. Hop, le crocodile à la rivière. Hop, j'enlève la roulette du siège. Je vais y mettre mes fleurs et je vais prendre des fleurs. Alors, voilà mes fleurs.
Et où ai-je mis ma valise avec les tags? Voilà, bon. J'aurai tout mon matériel. Voilà, parce que moi, c'est pas des petits paquets, c'est pas des petites boîtes. Moi, j'ai c'est des grands, c'est tout dans des grandes boîtes. Donc, je vais remettre mon archetier là. Voilà. Je vais m'en servir pour poser les trucs dessus. Voilà. Ça, c'est les tags. Et les tags, j'en ai une pleine valise. Donc, je vais en mettre un petit peu partout. Un petit peu de tout. Je vais vous laisser plus haut, comme ça vous verrez un petit peu. Ben voilà, comme ça vous voyez, rien du tout. Ça, si ça veut tenir. Ah, je l'ai mis trop. Hop. Voilà. Vous voyez rien du tout. Alors, j'ai des petits tags, j'ai des grands tags, des trucs que vous m'avez envoyés, que je vais mettre par-dessus. Vous voyez donc, ça va très bien, ça. Il n'y en a pas un autre d'une autre couleur. Celui-là, il ira bien, il est tout seul. Je le trouvais bien épais. Hop, c'est les trois mêmes. Par-dessus, je vais y mettre quoi? Je vais regarder dans mes fleurs. Ah oui, j'ai ces trucs aussi qui sont pas vilains. Ça, j'ai téléchargé sur Pinterest. Pinterest. C'est une source d'idées, une foison d'idées. Pour vous. Hop, ça, poubelle. Regardez donc, ça rentre juste là-dedans. J'en ai une troisième. Non, non, me dis pas que j'en ai que deux. Je dois bien en avoir une troisième quelque part. Là-dessous, hein, j'en ai vu une. Alors, j'ai pris ces deux-là, je vais prendre celle-là. Que je vais mettre là. Voilà. Les fleurs. Oh là, oh là, oh là, oh là, doucement. Doucement, doucement. Hop, j'en pose un, je prends l'autre. Alors, les fleurs, qu'est-ce que je vais mettre comme fleurs? Un petit bouquet comme ça. Chacun avec une couleur différente. Alors, tu veux venir toi? Voilà. Je voulais y mettre mes fleurs que j'ai faites avec la plastifieuse. Putain, j'en ai plus besoin. Alors, laquelle je mets? Ça ne va pas, celle-là. Voilà, celle-là me convient mieux.
celle-ci. Il n'y en a pas une bleue là-dedans. Mettre celle-là. Là, la rose, je la laisse. Il faudra que je repasse parce qu'il ne me reste pas beaucoup. J'en ai offert quelques-unes à des personnes à qui j'ai fait des échanges. Alors, mettre ça là-dessous, comme ça. Je vais le descendre. Comme ça. Je vais mettre des morceaux de ruban. Des rubans bleus. Ça ne va pas. Je pourrais y mettre ça. Je vais en chercher un troisième parce que je n'aurai pas assez d'un. J'ai ce truc de fermeture éclair là que je ne me suis pas servi pour faire des fleurs. J'ai dit que je les ferais puis je les ai pas faites encore. Ça fait épais, je trouve, moi. Enfin, c'est un point de vue. Ou alors, je les recoupe un peu. J'aime pas trop. Ah! Ça, c'est une petite fleur que l'on m'a envoyée. Où elle est, la rose. Mais bon, j'en ai qu'une. Alors, c'est dommage. J'en ai qu'une. Mais je pourrais en faire une. Il faudrait que j'en fasse. Enfin, quand j'aurai le temps. Quand j'aurai le temps. Là, c'est trop gros. Ça, c'est une fois qu'il faut sauver. Ah, puis c'est vrai comme on a des petites comme ça. Qui sont là. J'ai pas de rose. J'ai une bleue. Je vais mettre comme ça. Je vais les mettre comme ça. À sortir ça et ça. Alors le ruban que je vais mettre en haut. Je verrai après le ruban. Les petites fleurs comme ça. Les feuilles. Je vais aller chercher des feuilles parce que j'ai des feuilles aussi. Oups. Non. J'ai cru que c'était une fleur. Ah, mais j'ai pas remis ça. Hop. Ça, je vais laisser comme ça. Alors, les jolies feuilles. Qu'est-ce que je mets comme feuilles? Ah ben non, mais c'est ma caméra qui n'est pas en place. Voilà.
Tiens, j'en ai une bleue là. Pour mettre une feuille bleue là. Une rouge là. Je mettrai une comme ça ici. Voilà. J'en mets qu'une. Et en bas, je mets quoi? Alors, j'ai dit que je mettais du ruban. Je vais chercher un autre morceau comme ça. Un autre comme ça. J'espère que je ne vais pas couper trop court, parce que quand même, mon œil, voilà. Voilà, il m'en fallait trois. Alors, si je mets ça là en bas, je mets quoi d'autre? Remettre des papillons? Pourquoi pas? Et pour mes ciseaux. Mettre un ruban papillon comme ça et puis ça par-dessus comme ça. Eh bien, c'est pas vilain, ça. Ça me va. Donc, je vais déjà les coller comme ça. Mon pistolet à colle. Et qu'il est où? Et qu'il est où? Le coquin qui se cache. Hop. Voilà. Ma pince coupante. Bon, alors je vais déjà coller ça, l'étiquette. Allez, au boulot. Allez, il veut pas travailler. J'espère que ça tiendra collé. Ah, on va lui donner de quoi travailler. Allez, il y a une bulle d'air dedans, voilà. Même si ça prend pas sur les côtés, ça n'a aucune importance. Voilà. Le gros fil de colle, je voulais coller ça dessous, et ben je ne l'ai pas collé, mais je peux y aller encore. Aïe, mes doigts! Voilà,
je vais remettre de la colle là parce que ça n'a pas pris. Voilà. La petite perle qu'on va mettre là, c'est un bouton, mais tant pis. Hop, ça lui fait un peu de relief. Ma fleur que je vais mettre là. Et ça dessus. Un fil qui dépasse. Voilà. Ici, je voulais y mettre un bout de ce ruban avec les papillons. Je vais y mettre du double face là. Je m'en suis servi tout à l'heure du double face, je l'ai rangé. Non, je ne l'ai pas rangé, il doit être par là. Allons donc. Allons donc, allons donc. Je le mets bien en bas, je mets bien mes papillons bien au milieu. Je vais couper le surplus. Et je vais coller celui-là par-dessus. Ou je vais le mettre dessous. Alors, c'était pas une bonne idée, mais tant pis. Je vais le mettre dessous. Ah, je vais remettre du scotch. Mettre celui-là d'abord. Voilà. Hop. Je vais mettre du scotch là-dessus parce qu'il est resté sur le sur la carte. Et je vais en profiter pour le passer au briquet. Parce que déjà il s'effiloche. Voilà. Voilà. J'ai mis les papillons à l'envers. Eh ben tant pis. Ils resteront à l'envers. Voilà, et ben je vais faire mes trois tags pareil, parce que déjà ça fait une demi-heure. Donc voilà, je fais les trois, je vous les montre. Voilà, j'ai fini mes tags. Je range un peu. Ça colle. Anatole. Bon, alors, en voilà un. En voilà deux. Le troisième, il s'est fait la malle. Voilà. Les trois sont là. J'ai rajouté deux dentelles, une bleue et une dentelle mécanique. Voilà. Pareil partout. Ça, poubelle. Voilà. Je les ai finis comme ça. J'ai mis une petite attache en haut.
J'ai mis un petit nœud ici, à tous les trois, avec une petite pierre, un petit strass. Et puis, c'est tout ce que j'ai rajouté. Je vais enlever mes fils et je vais les envoyer comme ça. Derrière, j'ai mis juste une feuille de papier pour dire d'enlever les traces de peinture qu'il y avait, mais j'en ai pas mis dessous le petit nœud. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ces trois tags vous plairont. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.